Téléspectateurs et auditeurs, bonsoir, c'est Jean Béliard Lucien. Bienvenue dans l'émission spéciale sur African Caribbean Radio et Télévision. Côté Assoué, on a recevoir un invité très spécial, M. Franck Siné, chairman de Itel, première compagnie de téléphonie cellulaire en Haïti, qui aujourd'hui est en difficulté et il y a une gentillesse, malgré un poids de temps très chargé que le gagne. Il répond à l'invitation African Caribbean Radio et Télévision. Et c'est avec plaisir, m'a dit Monsieur Siné, bonsoir et bienvenue sur le plateau African Caribbean Radio et Télévision. Bonsoir Jean-Bélien, je salue vous et je salue en même temps tout le monde qui suit le programme sur African Caribbean Radio et Télévision. Monsieur Siné, comme vous avez dit dans l'introduction, vous êtes propriétaire et chairman de Itel, première compagnie de téléphonie cellulaire en Haïti, en révolution au niveau de la communication. Nous connaissons l'histoire du pays d'Haïti, particulièrement l'histoire du pays tiers mondiaux, avec problèmes au niveau de la communication. Et Itel, première compagnie, banonti historique de Itel. Comment sort-il pour faire atterrir ça? Bon, moi-même, je suis à Pétionville. Moi, grandi depuis Timoun, né à Pétionville, et m'ai étudié en Haïti jusqu'à ce que je parte aux États-Unis et mal à l'école. Et j'ai gardé la tradition de mes pays. C'est ça qui, jusqu'à présent, qui fait que je m'a pioché, je travaille dur pour installer un bar en Haïti qui a brité pour le peuple. Moi, je travaille aux États-Unis. Je suis arrivé vice-président pour MCI, télécommunication, en compagnie téléphone. C'est moi qui ai représenté MCI en Afrique et dans les Caraïbes. Je me suis fait beaucoup d'amis dans ces coins de pays. Et jusqu'à ce que je vienne décider de retourner en Haïti. Boum, boum, retourner en Haïti, c'était pour porter bay pays on ti bagay dans tout ça que le bon moyen moi fait études nécessaires moi vini introduit en nouvelle technologie en Haïti yo le CDMA c'est CDMA c'est principalement yon technologie militaire qui que yon déphasé et yon vin commercialiser. C'est Code Multiplex Access, CDMA. Avec vision ça, moi établi première compagnie CDMA là dans Caraïbes. Et c'est la technologie était tellement avancée, puisque je me déprenne à temps, en pile l'autre technologie CDMA, en pile l'autre compagnie qui établit ça, eh bien, ils viennent prendre poule la gagne. Parce que pour une fois, Haïti, tu es devant. Haïti, tu n'as pas avancé. Jusqu'à ce que le problème commence à créer. Et le problème qui crée, ce n'est pas client manqué, ce n'est pas monde qui parle nous, mais c'est l'État haïtien, comme par habitude, qui pas friendly, qui pas comprendre Wally et qui crée des problèmes pour permettre l'élimination de la compagnie. Bon, vous posez des problèmes là et qui pour moi-même assez coriaces. Vous parlez de Itel comme première compagnie de téléphonie cellulaire en Haïti, vous parlez de technologie CDMA que vous introduit, vous parlez tout de questions de clientèle là, parce que promotion, une compagnie d'après vous-même est satisfaisante, vous n'avez aucun problème, vous avez assez de clients pour votre compagnie et fonctionner. Est-ce que vous avez considéré Itel de RAPA pendant un bon bout de temps, c'est un succès pratiquement? Itel, c'est un gros succès pour Haïti et pour moi-même personnellement. Moi, rappelez-moi, premier jour que Itel
ouvert porte li pour vendre accepter client. La rue a presque plus de deux blocs. Moun yonne l'autre a vinn acheter téléphone. Gon bay extraordinaire qui cap expliquer nous côté nous sorti. Nan gon ti grand moun, un ti madame qui nan ligne nan. La poussé, la poussé, la poussé et la parle en pile. Li gen petit li en France, li gen près de 3 4 5 ans, li pa jam parle avec. Mais li vini pou li se non bolette li vini. Li pa garanti, li pa su que ça y a vann nan pour le travail. Li fait jusqu'à ce que rive devant téléphone, devant moun k'ap vann téléphone. Li tombe joué. M'espérer que tel bagay n'ap vann mwen l'ap marché, c'est comme m'ap mettre dehors, li c'est que li pa gagnen certitude que bay sa ap marché en Haïti. Vu que c'est un pays côté moun prend pile coup de boule, eh bien li pa ta vle perdre du compte. Et le ça comme on technologique fait commencer, fait qu'ap vendre dans pays alté en prix on ti en haut. Eh bien et y aurait les moins petit temps par la veille dit bon qu'est-ce que problème gagne il dit oui la pas acheté téléphone non il dit li bon mais lui même li pas ça après le marché on bout de corde on bout de bas li pas après le marché jusqu'à ce que me prend mec lui me dit le marché va remettre combien. À ce moment-là madame là il a programmé téléphone là pour lui il a metté batterie chargé pour lui ils font tirer tant de patiemment le ça fini, il y aurait les encore m'vini. M'prend téléphone là, m'dit bam numéro petit toi. Il dit "Mais, m'pa quoi ba ça marché mais quand même, il bam numéro. M'prend numéro en petit là, relé André on m'a comme ça, il bam numéro et puis m'fait numéro. Et puis téléphone a sonné. M'dit pour qui mon il dit "Mandé pour André, mandé pour André." Il me dit, est-ce que je peux parler avec André? Il a demandé devant, il y a André. André est venu, il prend le téléphone. Il me dit, madame, non, mais André, elle ne comprend pas cette sorte de technologie. Mm-hmm. Il dit, aïe, quoi d'André? Il me dit, viens parler avec elle. Ou quoi, monsieur, je ne sais pas, et dans la bêtise, je passer moi. Et puis, il prend le téléphone dans les oreilles, et puis il me dit, rel André. Il dit André, le André répond, il a le téléphone là. C'est que il n'a pas coordonné deux mouvements. Kounia, on prend le téléphone, on me dit oui, mais c'est André dans le téléphone. On va aller la parler. Madame n'a parlé, il parlait. Et puis, l'heure finit, il passe un bon petit temps. Madame n'a mis deux genoux la tête, téléphone sous tête lui, pour le remercier, mon Dieu, viva et-elle. C'est-à-dire que, c'est un système qui gampille l'émotion là-dedans. Mais au fait, madame ça, monsieur, pour jusqu'à ce que le mouille, il va jamais oublier. Petit moment ça, côté que André, pas une image pour lui, mais son bail physique, que le temps de voir petit. Ou pas, j'aime connaître si la j'aime mal en France, à l'ouébitide là, mais au fait, monsieur, que juste à ça en France que le bon, son bel témoignage, Banola, de capacité en compagnie de téléphonie cellulaire pour faire distance kaba entre le monde. Cependant, je dis, Itel, comme une compagnie qui arrivait imposée dans le milieu, et une compagnie, on dit 100%, bon, pas 100% haïtien, mais qui est en grande partie haïtien, qui ont chairman qui sont haïtiens natifs, natal. Et là, dit, tout le monde comprend ça, me l'a dit. Oui, parce que nous sommes un pays, on terre qui remplit l'hospitalité. Il y a un pile de monde dehors qui débarque. Et nous, ouais, c'est pratiquement c'est 2% qui sont au pays, qui contrôlent 60% de richesse au pays. Bon, donc, c'est pas là, on mettait ça sur le côté. On vient à Itel, je veux dire. Compagnie, ça, un pile d'investissement fait là-dedans. Monde répond.
qui problème Haïtiel gagné actuellement qui fait Haïtiel pas qu'à fonctionner? Bon, et Haïtiel, c'est pas vraiment pas qu'à fonctionner, il a bloqué Haïtiel. Public là accueilli Haïtiel. Haïtiel, avec succès, a marché. Technologie extraordinaire. Lors prend en ligne téléphone Haïtiel, monna maintenant, quel que soit pays, c'est quand coup c'était sous côté au l'alte. Tonalité extraordinaire. Mais, pays a ouvert à compétition. Le compétition a ouvert, l'autre compagnie vini, c'est sûr que gen bataille sous marché. Mais si bataille là, t'es égal, pas t'as gen problème. D'abord, et gouvernement baille certains monde franchise, tandis que franchise a été doué baille depuis le premier jour ouvert compagnie. Deuxièmement, gouvernement baille porte ouvert à toutes sortes de négociations et d'ententes, tandis que l'autre jour, il n'y a pas de droit. C'est en question de droit et pas de droit. Et avec tendance que nous créons, le droit s'achète. Les privilèges du droit, ça s'achète. Nous avons pensé que nous avons gommé pour pas de discrimination, pas de remédion, pas de l'autre, mais là, c'est culturel que ça fait. Autrement dit, il y a un traitement préférentiel d'un groupe monde par rapport à l'autre. Exactement. Exactement. Et est-ce que Haïtiel lui-même, au moins, a parlé à un déficit par rapport à celui de l'autre en termes de franchise ou parlé à? Est-ce que l'autre compagnie qui a une franchise? Est-ce que Haïtiel lui-même parle franchise? À qui tu vas expliquer ça? OK. Depuis le premier jour que Haïtiel a créé, le document a signé, on est d'accord que on compagnie nouvelle, Haïtiel a bien franchise. Ça m'a parlé de 98-99. Nous arrivons jusqu'à 2006, malgré les démarches et les démarches, il n'y a pas de jambes à Haïtiel. C'est en 2006, l'autre compagnie, tout là, où il y a décidé y a bailler. C'est-à-dire que je fais tout le temps avant, je commande équipement pour 50, 60 millions de dollars, je commande téléphone, je commande tout le bagage, je paye douane. L'autre monde même qui vient, il n'y a pas payé 50 douane. Déjà, il y a moins non-compétitif. C'est-à-dire que je ne peux pas danser sous même pied à tout le monde. Le nègre capable de bailler le téléphone gratis, moi-même, c'est pour me bailler bien cher, au moyen pour me prendre comme là pour me récupérer, acheter l'autre téléphone. D'où, il y a placé le téléphone à plus bon marché, il y a acheté l'équipement, on l'autre bail qui est très intéressant. Lorsque je m'achète une machine, on voit tu, je m'achète en Haïti. Et non, on compagnie avec Haïtiel, on a besoin de 40-50 voitures. Imaginons que vous avez acheté une machine en Haïti à prix dealer. Tandis que même les gens ont acheté à peu près moitié prix et puis ils entrent dans le pays. D'où, pas une compétition. Autrement dit, traditionnellement, quand qui j'ai percevoir en série de mon café business en Haïti, a dit regardez, blanc vini, blanc ba nous avantage, et Haïtiel était là, Haïtiel t'a crasé nous. Mon cher, m'tende chanson ça en pile. Et que le Haïtiel était là, il était bay téléphone là en prix exorbitant. Mais moun ça a pas fait aucun calcul et réflexion sous condition de Haïtiel. OK, l'on acheter téléphone là, ou acheter 10 000 téléphones pour porter le vini, ou payer transportation, ou payer tout bay ça, plus ou arriver sur marché là. Yo charge au téléphone nan, à haut prix d'impôt. Donc, ça qu'a fait. Vous supposez prendre le téléphone, nan, additionner transportation, hein, mettez et prix hein, avec 5% de c'est, profit. C'est toujours le consommateur qui paye. Oui, malheureusement. Oui, c'est, oui mais ou pas qu'a fait
Exactement, sorti de l'effet. Il lui met en situation. Les handicapés. D'handicap par rapport à la compétition. C'est ça. Bon, je dis à Aïtel, gain en dette. Ou dit tout à l'heure, il a empêché Aïtel de fonctionner. Aïtel gain toute possibilité technique pour fonctionner. Mais il a campé parce qu'il a dit compagnie en faillite. Est-ce que Aïtel est en faillite ou est-ce que Aïtel est bloqué ou bloqué? Ça dépend. Avec qui nous avons parlé, le mot faillite, c'est pas son on mot vulgarisé en Haïti, qu'il est en compagnie en faillite. Moi, je dis que nous avons un problème causé par l'État qui permet que nous ne pas fonctionner. Mais faillite, nous ne pas relever sa faillite. Nous avons une situation côté que nous et établi compagnie a fonctionné très bien. Nous passons la première étape, nous jusqu'à ce que nous entrions dans la troisième génération et fréquence. Pour nous, le tout bas sur Vinrivela, nous avons mesuré et préparé la quatrième génération fréquence. Est-ce que nous avons réfléchi que l'État haïtien, non pays côté que pas gain travail, non pays côté que pas gain technologie, l'on regarde toute technologie nous met sous terrain et que moun yo apprécie et que n'a pas avancé. Et puis pour l'État rete pour fort qu'on est que ou pas ka fonctionner. L'on mande pour qu'il soit pas ka fonctionner, li dou ou douel ou pas ka payer. Dans le monde qui n'est pas doué, tout le monde doué. Mais il y a le choix entre utiliser la notion de dette ça pour créer sortir en faillite, au lieu que ou entrer dans la bataille pour qu'on ait que compagnie ça, son compagnie qui est utile, la baye moun travail, la éduquer moun, la font série de bagay, nous pas foutu permettre que ça arrive à arriver. Faillite là, qui ça fait? Est-ce que son faillite, excusez-moi d'intervenir, est-ce que son faillite qui programmé ou volé pour l'aller pour le faire place à compétition, en dépit du fait que son compagnie, qui lui-même, première compagnie de téléphonie cellulaire, seule et unique compagnie en Haïti qui dirigeait pour un monde noir? Bon, faillite compagnie, hein, il a programmé, il a commencé depuis type de rébellion que me fait, le a pris Socabank. Le prince Oka Bank, yo font une série de malversations, magouille, yo prince Oka Bank. Moi-même, je suis pas d'accord. C'est ça me connaît, mousse pété. Je dis non, ça va qu'à faire. Prince Oka Bank là. Pour qui c'est prince Oka Bank? Parce que je me souviens, à l'époque, ça, j'étais accusé de toute une série de. Malversation de fonds, abus de pouvoir. Est-ce que tout ça, bah, ça a été dit et de Soka Bank, mais c'est des bagages qui rien ou bien c'est des excuses à chercher pour t'écraser bon. Le ou besoin tuer chien ou dit l'enrager. Tout le monde profite pour ballon bâton. Et c'est dans ce cas que cette affaire de Soka Bank s'est faite. Sous prétexte que les pagains assez de liquidité de ceci, une banque qui a fonctionné très bien, une banque qui a loué, qui a prêté comme bail malheureux, eh bien, ils ont trouvé que l'avancée est trop vite. Ils ont cassé pied. Ils ont pris, ils ont dit qu'ils font faillite. Ou qu'ils ont remarqué, mon faillite la vine pour Soka, ou qu'ils ont faillite la vine pour Aïtel. Ces outils, ça, que l'élément, l'État, vient emmené pour lui. Casser pied, tout le monde a besoin de casser pied. Nous avons un pays côté que pratiquement nous connaissons Haïti son gain plus haut taux de chômage. L'État, c'est lui qui, malheureusement, et ça qui rend nous unique pays moins avancé dans la zone, non, c'est plus grand employeur. Mais l'État conscient tout de nécessité pour le secteur privé venir à la rescousse pour assurer une croissance économique correcte. Pour en créant des emplois. Comment expliquez-vous que l'État
qui n'est pas capable d'assurer l'emploi de moun, je ne veux dire c'est même l'État ça, qui vient reconstituer une entrave à moun qui a créé l'emploi. Comment expliquer le paradoxe ça? Bon, depuis que nous sommes moun indépendants, l'État a toujours été un destructeur de travail et de possibilités. Moi, j'ai l'impression que priorité moun qui fait nous l'État, moun qui fait nous indépendants, li pa chanm nan fè n travail pour nous produire richesse. Le mot richesse, c'est pas un mot que nous acceptons bien parce que nous pas d'accord que personne gagne. Nous fait jalousie contre ceci, contre cela, nous battre, nous détruire, nous tuer, c'est que nous pas adapté tête nous et condition nous à la création des richesses. C'est si vrai que c'est presque un madichon. Lorsqu'un monde gagne l'argent, il oblige chita sous lui, cacher lui, pour que le monde ne pas connaître s'il gagne l'argent. Mais dans cette affaire de l'État, c'est l'État que le monde utilise tout pour détruire le progrès dans le pays. En parlant de l'État utilisé pour détruire le progrès, on a retourné avec la question de la dette de Haïtel. Qu'est-ce que l'État dit à Haïtel d'Ouil? Et l'État dit d'abord que nous ne devons pas jamais payer dette, taxes, impôts. De qui année en qui année? Ce qui n'est pas vrai. Jusqu'à 2006, nous courons, c'est-à-dire que nous ajoutons à payer taxes, nous. Qu'on a-t-elle touché? L'autre taxe qui est autre que le contrat payé, l'on a touché, tout le monde touché. C'est tellement bien que l'ancien directeur juridique du DGI, actuellement directeur général de la DGI, bah nous quatre vers que nous n'avons pas de problème, nous payons dette, nous n'avons pas de problème. Maintenant, avec situation que l'heure y a arrêté en 97, moins vin non situation m'pa là pour me gérer ça qui a passé. Et puis arrestation automatiquement yo fermé tout compte Haïtel. Yo fermé compte pas moi madame Timoun et Haïtel. C'est-à-dire que pas gen moyen en ken pour payer dette leur compte bloqué. Et tout bagay Haïtel a fait à partir de date que compte bloqué, c'est cash. Quand on a besoin de cash chaque jour pour aller faire une série de bagages. Et après, pour avoir besoin de cash pour payer pour taxes. So, ça qui passe, taxes ont commencé à grandir. Ce qui est normal. Il est tellement normal que le DGI a besoin de toucher. Il a ouvert le compte Haïtel. Il prend ça le besoin et puis il fait même. Non pays côté qui pas gain travail on moun ta ka di mais si que nous ka prend ça en nous ba yo ti cop gaza ti cop ceci ba yo moyen payer bill yo ça n'a jamais été fait même pour les affaires courantes ba nous moyen pas gain bagaille comme ça pas gain bagaille comme ça so nap nous kembe juste. C'est la politique de la faim, FIM. Exactement. Comment mettre la faim, FIM. Exactement. So, tout le monde qui travaille dans Haïtel, supposé lay-off, payer en deux fois, au lieu de une fois par mois, comme nous habitués faire, eh bien, tout le monde a perdu du job, je veux dire. Et nous prenons le monde qui va après le pour faire le travail. Parce que, pas gagner en force qui est établi pour créer travail. Le travail. Depuis date Haïtel créé, je n'ai jamais entendu une compagnie qui vient qui créer
200, 300, 400 jobs. Combien de monde a-t-il gagné au total quand tu travailles pour lui? Bon, le commencement pour le, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Là. Combien de monde au total? Bon, et au total, nous avons gagné à peu près 3000 monde. Parce que ça, pour comprendre, nous avons gagné près de 500 à 600 monde dans le corps sécurité hein, qui a bâillé centre de sécurité, site de sécurité, magasin de sécurité. Sécurité, ça, yo, supposé bâillé 24 heures de temps. Vous avez trois chiffres. Il vous baoule. Deuxièmement, vous avez construction. Aitel te tourné en machine de construction. Construction ça a fait par une autre compagnie que qui est le Coa de Cosa. Tout ça a fait cash parce que on pas prêter la banque ou pas une possibilité pour faire. Avant nous devons utiliser Socabank éliminer lui so toute base yo et jodi et demain après le fait continuer faire cash nous obligé acheter propre camion pour boter de l'eau parce que tuyau de l'eau en Haïti c'est pas très nous obligé électricité à l'heure vini yo baou l'heure pas vini yo charge so bill facture électricité vin presque deux fois gasoline go acheter. Tout baïsa yo détérioré base économique compagnie. Mais si yo pas fermé compte Aitel, si pas gen tout baïsa yo compagnie jodi a tap nan si c'est pas niveau diesel, si nous gen franchise nous tap nan niveau diesel, équipement nous yo beaucoup plus performant que baï diesel yo. D'où nous tap ou bien pas diesel ou bien tout. En parlant de performance, nous songeons après le tremblement de terre là, Aitel était l'unique compagnie qui était arrivée ben, en service et pendant et après le tremblement de terre, après toute l'autre série de l'autre compagnie était en difficulté. Bon, c'est nous avons une technologie avancée et nous avons des employés qui n'ont pas peur d'entrer dans la bataille pour reprogrammer, déprogrammer l'équipement pour permettre que nous vivions avec problème. Et tremblement de terre. Yo et employé yo fait entente entre eux-mêmes, yo travaille presque gen moun ki travaille presque 24 heures par jour la caillou pour qu'un réseau a travail pour que peuple haïtien bénéficie de technologie. Et moi tout profiter à voyer un coup de chapeau pour yo, félicitations que yo solidaire yon à l'autre et ça qui permet en pile moun joindre côté famille en pile moun joindre la vie. Gen moun qui est entré en bataille, côté où il est en bataille, il a téléphoné. Nous avons plusieurs cas comme ça. Eh bien, appel a passé à travers les débris jusqu'à ce que l'arrivée de quelqu'un et mon lieu téléphoné pour lui une direction côté où il a fouillé pour aller chercher quelqu'un. C'est pas extraordinaire. C'est peut-être ce qu'on nomme Dakar et un miracle. C'est exactement ça. Bon, et n'a pas tourné encore sur la question d'être là, qui je veux dire est très important parce que l'État dit a été doué l'argent. Ou expliquer raison genèse d'être là, quand elle est sortie, à partir d'incarcération ou à la prison, et gestion compagnie, compte du compagnie bloqué, compagnie accumulée de dettes. Mais pas trop longtemps, je regarde la télévision, je regarde la publicité pour une série de programmes que le Téguin a été là fonctionné quand même. Est-ce que Aitel, je vous dis, hein, dans l'impossibilité de payer d'être là, ou du moins, vous mettez Aitel dans l'impossibilité pour le payer. Vous mettez Aitel dans l'impossibilité pour le payer d'être. Et ça, c'est ça aurait une sorte de complot, de création du moment. Pour qui ça? Dans n'importe qui pays, nous, ça s'est passé en 2008 aux États-Unis. On s'est eu de gros compagnies qui ont des difficultés. L'État embrasse compagnie ça yo li aide yo monter mon difficile là et puis compagnie ça vient profitable et yo paye l'État. En Haïti côté que son homme besoin 5 millions de dollars non banque en Haïti. C'est de yo pour aller. Pas gon banque qui ka bo 5 millions de dollars, pas ka bay li yem, pas kon si yo ka bay li jodi. Mais n'a pas une banque ka lever 5 millions de dollars ba en compagnie. Parce que si le bail, il n'a pas même gagné pour continuer à fonctionner. C'est-à-dire que
si que ou t'arrivé doué l'état on cob localement ou cap pas ka joine moyen pour joine cob là pour payer l'état bon des possibilités limite d'être là sous sa blanc relé long terme c'est-à-dire plus long pour cap payer cob là Aitel pa jam dit que li va doué mais Aitel dit que situation que rivé c'est l'état qui mettait là dedans et l'état qui mettait là dedans pas qu'a dit avec méchanceté parce que l'état supposé neutre il supposé pas qu'a n'en parti pris parce que c'est pour nous toutes liés mais les éléments de et cap gérer l'état eh bien ils permettent des partis pris qui causaient et ça passe à tel là que ce soit parti pris dans intérêt ou pas mais il a causé ça qui passe. Compte tenu du fait que nous vivons en période que un nouveau gouvernement nous connaît tout problème a été commencé à partir du gouvernement privé là peut-être moi pas jamais mentionner ça mais m'a suivi a été depuis longtemps à partir de Souka problème de Souka banque qui fin les ramifications sur a été les mêmes jeunes aujourd'hui hein. Mais nous avons l'autre gouvernement qui est en place qui dit que l'ouvert pour business cap fait promotion business et pays cap 20 pays à dehors. Nous avons tout exemple sur cité à l'EA des États-Unis en 2008 qui sauvait AIG, une compagnie d'assurance qui sauvait GM, General Motors et c'est une base slogan qui fait que le président Obama lui-même a dit que mais ça que nous-mêmes en tant que l'État fait. En tant que l'État qui dans pays nous cap fait promotion pour inviter business qui dit que le business friendly. Est-ce qu'on sentit l'État s'affaiblir par rapport avec une institution qui créait environ 3 000 jobs qu'on dit à bon, en vérité, en Haïti, il faut demander est-ce que l'État compte beaucoup ça là? Est-ce qu'il compte raison qu'il fait là? Est-ce que s'il compte raison, est-ce qu'il fait des choses pour mener là? Est-ce que, en général, l'État au service de la communauté. C'est job lui. C'est lui qui fait l'école, c'est lui qui fait route, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Nous-mêmes, nous avons l'État, par contre, qui ça fait. Et c'est même l'État ça qui le y a besoin craser ou y a créé toute possibilité pour le bon bâton. D'où la DGI, c'est plus belle et plus gros fouette que les hommes qui forment l'État, les hommes qui a travaillé pour l'État, parce que l'État, moi je dis encore, ce n'est pas un homme ou qui a dit mais l'État. Ou qui a dit mais un homme qui a travaillé pour l'État. Eh bien, Mounsa, est-ce qu'il a travaillé dans l'intérêt de l'État ou bien dans ses propres intérêts? Si vous prenez l'État, Benjamin 14 dit l'État, c'est moi. Hein? Oui. Oui. C'est l'État. Mais c'est yok l'État. Le nègre a besoin de frapper ou, il n'y a pas contre ça pour le faire, et il est prêt à tout faire, toutes les fois que il a pouvoir. Bon, mais. Et pouvoir faire tenir grand, il y a fort grand pour ça. C'est ça. Ouais, cependant, je dis à Aitel Gondet, Aitel en difficulté, nous sommes par exemple d'autres États responsables qui montrent que vous faites pour business, États-Unis par exemple, qui ça offre pour ces deux compagnies. Et qui ça a été l'attente de l'État ça? Qui dit vous faites pour business là? Bon. Est-ce que Aitel attend que l'État ça, même j'aime t'étendre, déjà été dit, conseil de monde qui doit, il n'y a pas là pour punir monde, il est là pour travailler avec monde. Est-ce qu'on sent l'État disposé de travailler avant? Est-ce que l'État, ça lui-même, c'est plus obstacle, obstruction, l'a fait, et les grands fins, les grands objectifs qui pas avoué pour mettre fini avec Haïti? Bon. Et moi-même, dans la situation, ça, je me dis, beaucoup est dévouement l'État. Il y a une possibilité que pour l'État, je dis à Chita pour le dire, bon, on nous avance demain, on fait ceci, on fait cela, voici comment on va faire. Bon protocole d'accord. Qui signe? Aitel avec qui est-ce? Avec l'État. Commission, c'est l'État créé. C'est Premier ministre, c'est président qui m'a dit pour le faire. Leur commission, fin fait, ils travaillent avec Haïti. Ils font
longtemps, il a changé papier, il a changé mot, jusqu'à ce que nous revenions au point final, et puis Haïtel, je me signe un boulet. Je voyais le document ça, by commission. Je voyais la copie by TGI. Et après, il a dit que vous n'avez pas de connaître une commission, vous avez une copie et nous avons reçu que vous avez une copie. Avec tout le ça, vous pensez que les gens ont fait un bagage. Vous obligez, vous avez le président. Après, il y a un mois et demi pour me dire, président, monsieur le président, vous voyez un document, commission signé par les gens, je ne vais pas Malchita avec plusieurs monde, il a expliqué différence qui gagnait dans solution problème ça, ça veut ça, ça veut ça, ça pas veut ça. So, c'est quand que l'État gain chapeau pas gain tête. Il va foutre mettre chapeau dans tête. Tout mal dernier chita en dernier avec premier ministre là, qui chita avec ministre et avec directeur général Konatella qui chita nous parler de l'aime ça en forme nous parler et lui proposer moi pour me déplacer aller ou famille moi et puis non lundi ou mardi et prochain l'après lundi pour mardi et bien c'est directeur de GIA m'dande avec Cléon n'amène la Cléoné comment que monsieur voler madame monsieur voler et que nous doit ceci nous doit ceci nous doit ceci nous pas dit pas doit comment négo établi dette là mettons que nous t'arrivé dit nous doit 5 millions pour DGI son exemple on pas dit c'est ça lié non 5 millions yo taxé 5 millions plus, yo met ton pénalité sous lui. L'autre mois, yo prend tout ça yo ensemble, yo retaxe lui, met pénalité. De telle façon, yon dette de 5 millions vini près de 11 millions. C'est-à-dire, compilation, compound, interest et pénalité, intérêt et pénalité a vin beaucoup plus que quoi boudoué. Mais ça n'a pas gagné en volonté de justice d'abord. En Haïti, ou a boulé, personne n'a pas gagné de travail, moun n'a pas gagné de travail, l'État n'a pas créé de travail, et puis il n'y a pas empêché moun créer de travail. Ta gon, on sorte de conscience qui dit, mais nous pas qu'à faire ça. En nous, prêle signé, en parle avec lui, en garde. Non. C'est dans la prison. Remettez-moi et on le retourne encore. Yo remettez dans la prison. M'kan kou que depuis des gros figures, mieux disait prisonnier pour moi. Et moi-même, moi connais, m'servi pays, m'servi l'international et le monde. Eh bien, m'pas supposé prisonnier personne. Bon, on parle de protocole d'accord là. Protocole d'accord là, c'est des officiels gouvernement qui signent au paraphélie. Yo pas signent. Yo préparé lui. OK? Le yo avocat yo préparé lui avec avocat pam. Le fin préparé, yo dit OK. Voyez le ba nou. Signé ni. So, m'signé ni, m'voyez le ba yo. M'pa jamais recevoir, m'voyez deux copies ba yo. M'pa jamais recevoir signature pa yo. So, m'pa ka di yo signé, m'pa ka di que et accepté le. Parce que c'est verbalement il accepte et c'est ça que fait avocat mio bon signe m'voyez pas yo c'est pas un bagaille nous venons à terre attendez oh l'autre bagaille nous prêt pour business oh et porte là ouvert premier ministre là prend la rue ma, vaccine ni n'amène la danser nous prêt pour business et qu'est-ce que ça veut dire prêt pour business qui ça là ou si on contrat avec une compagnie étrangère mais contrat, il y a une pile phase là-dedans. Contrat que je signe avec Téléco, ce n'est pas avec Téléco que je signe seulement. 14 avocats campés qui ont formé contrat. Contrat,
tout moun siyen. Et ministre travaux publics et ministre on te bay tout ministère, tout directeur général qu'on a tel tout moun sa qui signé contrat ça. Contrat ça portion la donne publié. Contrat ça nous al poté si yo songé vraiment moun qui devine signer contrat dans la chambre commerce Miami n'al déposer document que yo mande nous pour nous te déposer. Alors je dis à vous était pour dire mais ou pas signer contrat. Dans contrat, il dit comme ça. Si gagne yon différence entre associé yo. Le nous fini prend conseil pour nous faire la paix sous contrôle l'État. En deuxième et en finale, nous supposer aller dans le tribunal aux Bermudes, aux îles Bermudes, qui pour trancher. Téléco, DGI, ils ont dit, bon, il y a un problème, et puis ils ont crasé le cas là. Ils ont crasé. Oui, mais ce n'est pas comme ça. Ils ont fait business. Ce premier ministre là, c'est on est ils ont même nous travaillons ensemble. On fait on voyage avec lui en Afrique. Nous on de bien, nous on chef. Même l'homme t'a aidé, montré le chemin. On pas de ballon mato pour t'a craser et contraire. Au contraire, m'expliquer comment pour le flexible, comment pour le travail avec et tout pays et tout le monde. Ce qu'on y a, si que l'État gagne une raison personnelle pour le traiter comme ça, pour Jean l'a traité là, mon cher, j'ai perdu mon temps et je très regrette que je ne dépasse pas comme ça. Et comme je dis, pratiquement, je viens de dire, Itel, encore une fois, première compagnie de téléphonie cellulaire dans le pays. Itel, c'est l'unique compagnie qui est dirigée par un monde noir, nous avons perdu en Haïti. Nous connaissons 1804 qui a fait ces révolutions et politiques qui ont fait, mais les révolutions économiques sont encore à faire. Et jusqu'à présent, nous avons regardé le pays d'Haïti, nous avons fait un coup d'œil sur les gens qui gagnent dans le pays et le peuple de la baladonne. C'est une rare compagnie, si ce n'est pas l'unique, qui emploie autant de monde dans un pays à la téléphonie cellulaire, qui sont à espérer, je vous dis, concrètement, pour l'autorité à assurer en rédemption tête yo, par rapport à l'injustice ou senti aux victimes, là, qui sont à attendre de yo? Bon, vu la situation actuelle, là, le nous n'avons pas gagné en repos ou bien en porte ouverte avec DGI, et consorts, nous obligés suivre des conseillers, nous aller dans l'international. C'est-à-dire, nous prenons des avocats aux États-Unis qui arrivaient chita causer avec des avocats gouvernement haïtien. C'est un avocat personnel de l'O.E. ministre, premier ministre Laurent Lamothe, l'autre là son l'autre associé, mais quand même deux groupes ça yo chita et matin et m'chita dans deux ou trois meetings et avocat ça yo le fait aux États-Unis c'est pas Haïti, yo pas capable faire préjugé, yo pas foutier à bay menti, yo confirmé nous dans deuxième meeting là que président Michel Martelly mandé premier ministre pour finir bagage ça pour qu'il commence le travail parce que bagage ça son handicap son zo poisson qui coquin dans gauche pays ou pas capable mandé travail tandis qu'on a détruit travail ou pas capable à mandé pour investir tandis que investissement moun mal géré l'état haïtien droit pour le chita là pour protéger investissement investisseur encore plus protéger le quand son investissement haïtien, parce que étranger, leur fait profil, jeter la veille. Haïtien, c'est bon la caille, il va capable. À moins que le par contre, qui s'est levé.
Sur le gros de l'affaire, moi-même, moi, je dis que il y a très peu de compagnies qui font un pile temps en Haïti. Même dans les compagnies locales, après un certain temps, ou pas une histoire de compagnie qui a 20 ans, 30 ans, whatever. Et le plus souvent, comment ça a créé? C'est un homme qui vient à 200 gouttes, 300 gouttes, 10 000 dollars, 100 000 dollars, il crée un petit bagage. Après ça, il y a une franchise. Là, fonctionner à franchise. Alors, il y a 4 galeries, il y a 20 galeries, il y a 30 galeries, franchise à bouler. Parce qu'avec franchise, on peut faire un peu de bagage. Non seulement, ou cap et rentrer bagaille pour mais il y a des monde qui fait commerce avec. Ils ont rentré l'autre bagaille pour faire comme mais moi-même c'est pas ça qui intéresse moi-même moi demandé seulement pour une bonne possibilité de travail et m'a répété on est prêt à s'asseoir on est prêt à faire et un tableau de paiement mais nous prêts d'abord à ce que DGI au lieu que la pomper chiffres que peut-être mon yo pas comprendre parce que n'a parlé de télécommunication nous t'a remet que les chita avec nous pour faire audit audit pas faire pourquoi ou pas chita pour faire audit ça ca un homme pourquoi ou besoin pour mon témoin que ou compter combien patate les gagne dans frigidaire ou pas arbitrairement dit mais ça gagne mais ça pas gagne ou pas capable aller dans la rue pour dire quand ça mes clients, ou supposé, souvle, m'en des clients, et puis m'en des combien de douille. Mais ça que fait en Haïti, c'est que yo empilé le plus possible pour yo grossi d'être là le plus possible. Je pose une question là, M. Siné. Nous, on va qu'en Haïti, Diesel vient souterrain. Une gros compétiteur dit, c'est le, c'était voilà. Une chose dit, Diesel, bois, voilà. Est-ce que ces places y a fait sous marché hein, pour assurer un monopole dans la compagnie? Ou du moins, puisque Haïti est open for business, est-ce que sont vraiment un pays côté que compétition fair and square a fait? Sous ma expression ça. Bon, en Haïti, c'est très rare où je vois une compétition fair and square. Digicel Allé, c'est. Excusez-moi, comme celle allé, c'est Digicel Gachetel. Pour qui ça, c'est Digicel? C'est Yo Kone. Comme celle et Digicel pour en pousser, et comme celle devant a en poussé politique depuis la fin élection, dernière élection. Vous dites comme celle, on n'a pas de voilà. Oui, non, comme celle, c'est voilà. Oui. Oui. Et Digicel pour en pousser depuis dernière élection. C'est quand que c'est eux-mêmes qui défait élection, c'est eux-mêmes seuls qui défait élection. Nous, comme ça, déjà, ouais, il écrit dans toute mur, que il y a pas le baillon monopole, et c'est exactement ça. Yo, en Haïti, l'État pas connaît que ça crée le monopole. Le baillon monopole, ou faciliter les gens qui ont un monopole. Mais ou pas bénéficier de taxes, ou pas bénéficier de job, ou pas bénéficier de rien. Alors, moi-même, je dis que je suis que un technicien qui a gardé, qui a fait bagarre marché. Mais est-ce que le technicien ça connaît qui ça a fait pour permettre nos pays sous-développés à ce point que je révoque tout le monde, comme on dit, voilà fermé. Aussitôt que et Digicel gain contrôle marché il commence les offres il fait commencer les offres aussitôt que le contrôle marché pas grand pile ambition pour service là bon gain merger gain les offres oui ça c'est un bagage qui est inévitable qualité service que des compte bail là qui pas des meilleurs non niveau complètement détérioré on y a est-ce que y a une obligation pour améliorer ce service là parce que c'est eux-mêmes seuls qui là. Ou pas gagné, même avec mariage, madame n'a pas gagné intérêt, bien, yen, et puis habillé chaque jour parce qu'elle est déjà mariée. Déjà. Il n'y a pas grand-père, aucun monde, il va le faire plaisir. C'est ça que la mentalité a. Ok? So, Digicel, pas gagné personne qui va faire plaisir. Ok? Bon. Et puis,
yon bay ki tre serye, moun nan vini l paye taxe. Il bay travay, li touche kòm. M'pa wè ke Digicel ou bien kèl ke swa kompanyen ki vini en subsidiary kap fi de l'Etat. Bon, encore une fois, son situation qui est vraiment complexe, son situation qui, à la vérité, qui va en pile à réfléchir, d'autant plus dans la vivre une période côté à tout bout de champ, sur tous les trois, l'État a crié que l'eau ouvre pour business et ou senti que pendant l'État ouvre pour business, a été une plus grande part dans le pays, elle même l'a subi, on sort à considérer comme une grosse injustice. Parce que DGI n'a pas décidé pour faire aucune forme de négociation avec nous. Et on sentit que compagnie en elle-même, en mesure, de la mesure où tu as une volonté de coopération, pour être capable d'éponger d'être là et retrouver une santé économique pour la, et permettre et continuer à assurer emploi dans le pays. Moi-même, et encore une fois, me répéter que DGI n'a pas foutu un dernier mot parce que. On a tous signé ce document. Si que amicab en ami nous pas capable résoudre problème là, pas capable rester pour saisir même kay côté petit moins dormi. Et même kay ça tout nèg ça quand vinn chita dans kay là pour on va parler by blague avec petit moins et avec moi. Pour expliquer le ou gagnon compagnie type compagnie ça si que tu as un déficit tu as un problème l'état pas grand qu'un droit pour le saisir bien privé si me pas une justice ma chercher lui parce que l'autre tribunal pour ça mais ou pas gain droit pour prendre mettre petite main dehors pour prendre caï moi jusqu'à présent Baptiste petite main tout papier tout bagaille dans caï là. Et même temps des mon apprendre dans cas là sous qu'on y a ou responsable tout ça quand dans oh bon son situation vraiment qui m'a dit me souhaiter cri d'alarme ça l'attendait et surtout pour l'état cap deal ouvre pour business et qui pas faire aucune différence entre bien en compagnie avec un bien privé. Bon, bien entendu, me souhaiter très bientôt monsieur Siné et abgon issue à l'amiable à la question ça, ne serait-ce que pour encourager les gens qui haïtiens de yon, qui ont gardé l'expérience ou haïtiens qui a réussi, et je vous dis, qui ont trouvé une situation extrêmement difficile, parce que l'État lui-même n'a pas montré aucune forme de conciliation, aucune volonté de coopération. Et dans le cas de ça, nous n'avons pas dit sur l'État qui est business friendly. Le cas open for business, mais pas business friendly. Ouais. Et M. Siné, merci en pile. C'est un plaisir pour nous défendre à avoir. Nous été ouverts pour vous. Et quelle que soit la forme de coopération, nous avons nommé African Caribbean Radio et Télévision. Et nous souhaitons aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux attendez. Et à faire relais de cri d'alarme ça, parce que nous sentons, nous-mêmes, si nous voulons pour Haïti prospère, son Haïti côté qui investissement la donne, si nous voulons qu'on Haïti qui prospère, son Haïti côté que croissance économique la donne, si nous voulons qu'on Haïti qui prospère, son Haïti côté que sécurité de l'investissement, et je vous dis, nous après un traitement préférentiel, arbitraire, discrétionnaire de l'État par rapport aux compagnies, première compagnie de téléphonie cellulaire et unique compagnie de nos pays qui est dirigée par un monde noir, et nous pensons que nous avons le devoir, ne serait-ce que pour honorer mémoire cette nuit qui t'a libéré nous de tutelle de l'esclavage. Et nous allons retirer un esclavage politique qu'on a d'imposer un esclavage économique sous pays. Et nous pensons que plus que jamais, le moment ça a Haïti besoin, tout petit lit, particulièrement ça qui prend risque, mettre corbio pour assurer le travail dans nos pays. Merci en pile, M. Siné, et nous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, African Caribbean Radio et Télévision. Spectateurs qui regardent, qui attendent, et nous-mêmes qui créons gros baïsa, son gros bagay, ça fait me content pile parce que moi, que c'est pas moi-même seul
qui était dans la diaspora, qui a fait gros bagay. Félicitations et félicitations à tout le monde qui travaille dans la boîte. Je souhaite que pour nous prendre à faire copier au Télé en Haïti. Parce que le pays a besoin, on va comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Franck Siné, chairman de ITL. Moi, c'est Jean-Béliard Lucien, la cadre d'émission spéciale que nous réalisons avec lui. Côté de exposé problème compagnon et nous souhaiter l'État haïtien et même après l'écrit d'Alamsa pour avoir une issue à l'amiable en situation pareille. Bonsoir et à la prochaine.